Serais-tu capable de me cramper? Je t'ai toujours dit que quel que soit l'endroit où tu iras, je te retrouverai quand je voudrai. Je crois que j'ai une idée dans la tête. Ah bon? Et c'est quoi l'idée? Je t'expliquerai plus tard. Je pense qu'il est temps de régler le compte de ton mari. Je vais vous faire ma femme. La même chose qui t'arrivera si tu ne parles pas. Va te faire foutre. Norton, attends deux jours. Te donne une chance de pouvoir vivre. Qui d'autre détient les informations? Va te faire foutre. Petit journaliste. Attends, attends, attends. Tu veux parler? Parle! Et si je te disais où se trouve la femme que tu cherches? Déjà, je tiens à m'excuser de venir chez vous à l'improviste. Je sais que je n'ai pas pour habitude de venir ici. Mais si je suis là, c'est parce que je sollicite vos crêpes. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, voisin? En fait, j'ai remarqué que ma femme et vous, vous êtes de très bonnes amies. Alors, je viens auprès de vous parce que depuis un certain temps, elle a changé de comportement à la maison. Pas, elle est distante, insolente, arrogante. Peut-être je l'avoue offensée inconsciemment, ou bien je lui ai fait quelque chose de mal, je sais pas. J'ai même bien essayé de causer avec elle. Quand j'essaie de me rapprocher d'elle, elle se fâche. Je sais plus quoi faire. Je me suis dit que comme c'est entre vous les femmes, peut-être elle est venue se confier à vous, que vous pouvez m'aider. Écoutez, voisin. Votre femme et moi, nous sommes certes des amis. Mais notre amitié s'arrête à bonjour, bonsoir. Je ne pense pas que nous causons assez pour qu'elle vienne me raconter les problèmes de votre couple. Ce que vous me demandez là, c'est très difficile. Néanmoins, s'il vous plaît, vous pouvez au moins essayer de causer avec elle. S'il vous plaît. Ok. Dites-moi quelque chose, voisin. Vous doutez de l'amour de votre femme? Non, jamais. Ma femme m'aime, je le sais. Elle m'aime d'un amour sincère. Ok. Je ne vous garantis rien. Mais je vais essayer de parler avec votre femme.
C'est vraiment gentil de votre part. Je compte sur vous. Et s'il vous plaît, ne lui dites pas que je suis passé, sinon il risque encore de faire des scènes. Comptez sur moi. D'accord, merci. Bon, je vais devoir prendre congé de vous. Passez une bonne journée. Merci. Quoi? Elle est où? Elle est où? Paul! Paul! Va te faire foutre. Ça fait un moment, on ne s'est pas vu. Apparemment, aujourd'hui, c'est ma journée de visite. D'abord André et maintenant toi. André? Oui. Daria, je t'appelle, tu ne me réponds pas. Je t'écris, tu ne me réponds pas. Pourquoi tu m'évites? John, je pense que je t'ai donné ma position. C'est ta position, ce n'est pas la mienne. Je t'aime, Daria. Tu me hantes. Écoute, tu ne me connais même pas. Je suis sûre que si tu connaissais qui est placé devant toi, tu ne serais pas là en train de me parler. Alors, donne-moi la possibilité de te connaître. Je suis prêt à tout faire pour toi. Oh. Tu es prêt à tout pour moi. Tu es vraiment prêt à tout faire pour moi. Es-tu prêt à tuer pour moi? Tuer? Couler du sang pour moi. Si cela serait nécessaire de te prouver mon amour. Je le ferai. Ok. Je vais te donner une chance. Mais laisse-moi le temps d'organiser. Pour le moment, je suis fatiguée. Je te ferai signe. Ok. Bye. Oui, allô? Je dis à mon ami, c'est déjà de preuve que tu m'envoies. Non, non, je ne veux rien savoir. C'est parce qu'il t'est versé suffisamment d'argent. Oh, tu te demandes d'espionner ma femme pour savoir avec qui elle me compte. Tu m'envoies les photos et c'est pas là que tu as fait ma voix. Tu sais pourquoi il fasse quoi avec? Je dis, je veux des preuves concrètes.
D'accord, j'ai compris. Mais débrouille-toi à m'envoyer des preuves. Toi, si ta femme te trompe, tu vas aller prendre les photos avec, la voisine. Dis-donc, tu veux des preuves. Merde. Il ne manquait plus que toi. Que viens-tu faire chez moi? Calme-toi, ok? Calme-toi. J'ai besoin de ton aide sur un coup. Désolée, je ne travaille plus pour toi. Je ne te le demande pas. Tu le feras. Reste à l'écoute. Pourquoi m'as-tu appelé à cette heure-ci? Où est ton mari? Il prend son bain. Je t'ai fait venir parce que ton mari est venu me voir. Mon mari? Et pourquoi? Il pense que tu te confies à moi et que ton comportement a changé. Et qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai faim de ne rien savoir. Je ne suis pas une gamine. Ça commence à être inquiétant cette histoire. Elisa, tu m'aimes? Bien sûr que oui. Pourquoi cette question? Alors il est grand temps de faire un choix. Soit je t'emmène loin d'ici, soit on tue ton mari. Et pourquoi le tuer? On pourrait juste s'enfuir. Nous enfuir, ça ne fera qu'ajouter nos problèmes. Donc on peut tuer ton mari et on reste distraitement là. Attends. Ta réaction me déçoit vraiment. Si c'était moi, j'allais le faire sans hésiter. C'est pas une question d'amour, c'est pas question de réaction. C'est juste que j'ai jamais fait ce genre de truc là. Et je me dis qu'il y a beaucoup d'autres solutions. Elisa, fais-moi confiance. Ne me dis pas que c'est ce que t'as dit ce journaliste qui te tracasse tant. Il a sûrement fait pour t'emmerder. Pas vraiment. On doit négliger aucune piste. As-tu trouvé quelque chose dans son téléphone? Pas vraiment. Rien à rapport avec cette fille. Et concernant notre affaire? Ce téléphone est pratiquement vide.
n'y a que ses photos personnelles. Cette photo ne sert plus à rien. Ok. J'ai deux nouvelles pour toi. Une bonne et une mauvaise. Je commence par quelle? La bonne, bien évidemment. D'accord. Notre cargaison est arrivée. Et je pense que d'ici quelques jours, les filles seront sur le marché. Wow! Ça alors. Enfin, une bonne nouvelle. Alors, ça mérite un coup. Ne te rejoue pas si vite, mon cher ami. Tu veux parler de la mauvaise? Tiens. Es-tu prêt à tuer pour moi? Tuer? Couler du sang pour moi. Si cela sera nécessaire de te prouver mon amour, je le ferai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dis-moi simplement, oui. Pourquoi toutes ces conditions? Mais pourquoi tu me donnes toutes ces informations sur ce commissaire? Elle a échangé quelques fois avec le journaliste. Récemment, quand nous avons eu ce problème de cargaison à la frontière, c'est cette femme qui était chargée des opérations. Et tu penses qu'elle pourra avoir les informations qui pourront nous compromettre? L'idée serait de se rassurer. Et que comptes-tu faire? J'ai fouillé dans sa vie privée et j'ai appris qu'elle mange du mauvais pain. Je compte bien m'en servir. Car j'ai la personne idéale pour cela.